il en fait pour nous. On le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, progrès à la base. Je possède, à des virements, des virements. Salut tout le monde, c'est comment? Aujourd'hui ce sera une petite vidéo rapide, ça c'est pour mes amis du Mali. Voilà les amis, moi je fais cette petite vidéo là pour qu'on s'entretienne un peu. Voilà, moi j'ai deux préférés dans les artistes jeunes du Mali. Quand je parle d'artistes jeunes du Mali, je parle des Iba One, des Iba Montana, des Sidiki Diabaté, je ne sais qui encore, plein de jeunes artistes. Mais actuellement, ça coule les rues. Moi j'entends souvent que non, Iba One est le préféré des Maliens, bien que chaque artiste a ses fans, hein. Mais on entend dire que Iba One est le préféré des Maliens, Sidiki Diabaté est le préféré des Maliens, parce que quoi, voici les arguments. On dit Iba One est le spécialiste pour remplir le stade de Bamako. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Quand il se lève, il décide de faire un concert au stade de Bamako, c'est rempli, bourré à craquer. Bien que Sidiki Diabaté le fait souvent, mais c'est Iba One qui a plus ce record-là. Bon, est-ce parce que Iba One à ce record-là au Mali, qu'on dira qu'elle est le préféré des Maliens? Moi, je ne sais pas. Et je sais que parmi vous, mes abonnés, il y en a de Maliens aussi. Voilà. Et même, il y a des Maliens résidents en Côte d'Ivoire ici qui peuvent me donner leur appréciation en commentaire. Parce que moi, j'aimerais bien que vous m'éclaircissez. Voilà. Je sais très bien que chacun a son public. Mais comme vous savez, en Côte d'Ivoire ici, il y a des artistes qui sont des boss, qui contrôlent en fait. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, j'aimerais que vous m'éclaircissez un peu pour me dire un peu qu'est-ce qu'il en est. Parce que mine de rien, il faut savoir pour historique que Iba One et Sidiki Diabaté sont deux jeunes amis qui ont commencé leur carrière musicale ensemble. On ne sait pas ce qui s'est passé, ils se sont séparés, mais il y a eu même des petits bobos entre ces deux-là. Voilà. Et depuis lors, il y a une petite rivalité qui existe entre eux pour voir qui contrôle vraiment le showbiz dans la jeunesse, sur la jeunesse truc malienne. Voilà. Donc, si moi je fais cette vidéo-là, j'aimerais bien que mes abonnés maliens viennent me dire en commentaire à votre avis. À votre avis, de Sidiki Diabaté et de truc Iba One, c'est qui le préféré des Maliens? Et moi, j'aimerais vraiment que vous m'éclaircissiez dans l'espace commentaire. Voilà, si la vidéo vous plaît, likez, ne vous gênez pas de liker parce que c'est ça la récompense. D'abord, likez, partagez et commentez. Surtout, je veux vos avis en commentaire parce que cette histoire de Iba One et Sidiki Diabaté, bon, on en parle trop. Et comme vous savez que j'ai quand même une petite audience, ou regardez vos commentaires, les gens verront bien, bon, qui des deux est vraiment le boss au Mali. Sinon, c'est deux artistes très talentueux, très talentueux, un rappeur, un chanteur, voilà. Et en tant que chanteur de la jeunesse malienne, Sidiki Diabaté a son audience. En tant que rappeur de la jeunesse malienne, il va avoir à son public. Mais c'est à vous de me dire en commentaire, c'est qui le boss au Mali? Voilà, j'aimerais savoir ça. J'ai vraiment besoin de savoir ça pour continuer la vidéo dans ce sens-là. Parce que j'ai bien envie de me tourner aussi sur ce marché malien-là. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés maliens qui me disent de parler aussi de leur artiste. Et comme c'est l'Afrique qui gagne, c'est pourquoi je commence par Iba One et Sidiki Diabaté. J'attends vos commentaires et partagez la vidéo si elle vous a plu. Big up à Iba One, big up à Sidiki Diabaté. Je vous informe que les deux ont sorti deux opus qui sont déjà en ligne. Voilà, je crois Iba One sur autorité. Le titre de Sidiki Diabaté, je l'ai un peu oublié. Dans les prochaines vidéos, je vais vous donner ça. Que Dieu vous bénisse, c'était Rito. Ciao, ciao. On est ensemble. Ciao, ciao.